L'Église évangélique a donc rendu hommage à Nelson Mandela hier au cours d'une messe d'action de grâce. Les fidèles chrétiens de cette Église ont donc porté leur voix vers le Seigneur pour le repos de l'âme de l'ancien président sud-africain. Sur place, Paulin Siaki et Joseph Biyogé. De la PJ qui se sont réunis ce jour dominical pour rendre un hommage mérité à Nelson Mandela, père de la nation arc-en-ciel de l'Afrique du Sud. La vie de Nelson Mandela est un repère, dira le responsable de l'église Fridolin et du Abaga. Un modèle de pardon et d'amour du prochain, vertu qui se repose sur son action multidimensionnelle tracée tout au long de sa vie, vie qu'il a consacrée à son prochain. La paroisse de la Bérie se joint à toutes ces marques de sympathie pour exprimer également notre compassion et surtout notre joie de savoir qu'un des nôtres, un noir, un africain, peut avoir des convictions aussi solides, peut défendre des vertus que nous tous nous connaissons, les vertus de liberté, des vertus de justice, des vertus de démocratie et des vertus de paix. Au-delà de cet hommage rendu à Nelson Mandela, des installations du nouveau conseil presbytéral de la PERI et la célébration du deuxième dimanche de l'Avent, encore appelé la Mariologie, étaient également en bonne place. L'Avent, qui est ce moment qui prépare le chrétien à recevoir Jésus-Christ.